Chers amis, bonjour. Je vais recevoir aujourd'hui pour cette émission Héros de jeunesse, Michel L'Écureur. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez nous parler de héros de jeunesse, et non seulement de héros, mais d'héroïnes aussi, puisque nous allons parler de Marcel Aimé, et notamment de ses contes pour les enfants. Donc on va retrouver Delphine et Marinette, et puis aussi, bien sûr, tous les animaux de la ferme et de la forêt. Donc vous êtes un grand spécialiste de Marcel Aimé, vous avez enseigné en lycée, à l'université, écrit des biographies, dont celle de Marcel Aimé. Vous avez aussi préparé l'édition de la Pléiade, notamment l'album Pléiade, l'album Marcel Aimé dans la Pléiade. Donc c'est vraiment un travail très intéressant. Et puis, vous allez bientôt faire paraître chez Pardès le petit « Qui suis-je » consacré à Marcel Aimé. Oui. Donc nous laisserons de côté aujourd'hui ses œuvres pour les grandes personnes et nous allons parler des œuvres pour la jeunesse. Dites-nous un petit peu ce qui a amené justement Marcel Aimé à écrire ces fameux contes du chat perché. Vous savez, Marcel Aimé est un auteur qui était très secret, un homme qui parlait peu, il a une réputation de mutisme permanent. Il faut nuancer quand même, parce qu'avec des amis, quand il était lancé, il était capable de bavarder, d'être très loquace. Mais en général, il parlait peu. Et sur les contes du chat perché, eh bien, il a dit peu de choses. Et on ne sait pas tout à fait, on ne sait pas bien s'il a écrit ça pour des enfants, ce que je ne crois pas. Il a écrit ça parce qu'il en avait envie. Je crois qu'il aurait plutôt écrit ses contes par réaction contre des contes qui étaient en vogue à son époque, dans les années 30, et qui étaient, à son goût, terriblement niés pour la jeunesse. Et lui a voulu faire le contraire. Donc il a vraiment, c'est vrai, c'est une œuvre de qualité qui est devenue intemporelle finalement. On a cru longtemps qu'une fois les enfants devenus citadins, les histoires de vaches et de cochons n'intéresseraient plus. C'est tout le contraire. Et Gallimard Jeunesse vient notamment de rééditer les contes bleus du chat perché dans une très jolie édition que j'essaye de vous montrer, avec les illustrations de Nathalie Parrain, dont nous parlerons aussi tout à l'heure, une illustratrice contemporaine de Marcel Aimé. Les contes sont aussi bien évidemment édités en livres de poche. On a eu plusieurs collections, bon, un peu ancienne déjà, la collection Mille Soleils, qui a l'avantage d'être un peu plus rigide qu'un livre de poche, donc de ne pas trop s'abîmer. Et puis de nombreux livres plus souples, donc chez Folio Junior, donc les contes bleus et les contes rouges. Dites-nous justement pourquoi bleu et rouge. Mais là encore, on ne sait pas. On ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait rien. Je pense que c'est un choix éditorial, c'est-à-dire que c'est un éditeur qui, un jour, chez Gallimard, a décidé de répartir à son goût les contes du chat en bleu et en rouge. Mais j'ai interrogé la famille à ce sujet, elle ne savait rien. J'ai interrogé d'autres proches de Marcel Aimé, personne ne sait. Et lui n'a pas laissé de confidence écrite sur ce choix entre contes bleus et contes rouges. Et contes rouges. Et vous nous avez apporté quelques éditions anciennes donc, des contes, chez la NRF, qui étaient des très jolis livres pour enfants, très bien fabriqués. Donc là, j'ai entre les mains la patte du chat, toujours illustré par Nathalie Parrain, donc vous pourrez peut-être tout à l'heure voir de très jolies images. Et puis nous allons nous poser la question justement de ces contes qui parlent de l'enfance rurale. Alors pourquoi justement donner autant d'importance au monde rural ? C'est tout simple. Alors là, on sait quelque chose. Marcel Aimé a grandi à la campagne. Il a grandi dans le Jura, dans un petit village qui s'appelle Villers-Robert, qui est au sud de Dole. Et à Villers-Robert, il habitait au bout du village, dans une tuilerie, où on fabriquait donc des tuiles. Et là, il a passé toute son enfance, parce que c'était la maison de ses grands-parents. Et sa mère est décédée alors qu'il avait 2 ans, en 1904. Et son père s'est retrouvé avec 6 ou 7 enfants à gérer, et il était militaire. Et il ne s'est pas cru capable de pouvoir gérer cette petite famille. Donc il a confié les plus jeunes aux grands-parents maternels. Et les aînés ont continué leurs études et ont fait de brillantes études, notamment à Saint-Cyr pour l'un des aînés, Georges, qui a fini sa carrière comme général. Et donc Marcel Aimé et sa sœur, Suzanne,
qui était âgé de 2 ans de plus que lui, ont grandi à la tuilerie de Villers-Robert. Et là, bien sûr, au milieu des ouvriers qui fabriquaient les tuiles, auprès des grands-parents qu'ils respectaient et qui faisaient régner un ordre certain dans cette tuilerie. Et mais enfin, avec toute liberté pour jouer dans la tuilerie, pour casser des tuiles le cas échéant, et puis aller parfois en exploration dans la forêt à côté. Parce qu'il y avait une forêt à côté et il y avait toutes les légendes avec un loup, bien sûr. Un loup, des saints sangliers, un renard, bien voilà, sûr, et un loup. C'est ça. Qui n'est pas tout à fait celui du petit chaperon rouge, quand non, même, non, mais quand même. Quelquefois, voilà. Après tout, voilà. On va retrouver un loup un peu qui va parler. Donc tous les animaux parlent, bien sûr, dans les oui. contes du chat-perché. Donc les petites filles, Delphine et Marinette, sont entourées de ces animaux, des animaux domestiques de la ferme des parents, donc qui ne sont pas les parents de Marcel Aimé, oui. des parents imaginaires. Oui. Pas toujours très, très sympathiques, un peu durs, surtout dans la vie rurale. Et puis, beaucoup d'animaux, donc ceux de la ferme et puis ceux de la forêt. Oui. Alors, quelle langue parlent-ils, ces animaux ? Ben, il parle un français très correct, très clair, même parfois un peu, disons, de qualité, puisqu'il y a des imparfaits du subjonctif, mais c'est accessible à tout le monde. C'est ce qu'il y a de bien dans les contes du chat-perché, c'est que l'auteur ne bêtifie pas, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à parler enfant. Il ne cherche pas à parler pour les petits, il parle comme des adultes, mais c'est tellement clair, c'est tellement spirituel, c'est tellement agréable que tout le monde y adhère et tout le monde aime. Alors, justement, Marcel Aimé, c'est un monde merveilleux, fantastique, surréaliste. Jusqu'où va le non-sens dans son œuvre? Parce qu'il y a un petit peu de tout. Alors, ce n'est pas Alice au Pays des Merveilles, ce ne sont pas les fables de La Fontaine, c'est encore un autre univers. Et comme il le fait dire à un petit coquin dans les bottes de sept lieues, si on s'occupe de ce qui est vrai, il n'y a plus moyen de rien faire. Donc, oui, moi je dirais que c'est plutôt du fantastique. De toute façon, il a toujours eu l'art de partir de données très réelles, très banales, pour aussitôt broder sur du fantastique, sur de l'imaginaire. Prenez le passe-muraille, par exemple. Les premières phrases sont très banales. Il y avait à Montmartre un certain Dutilleul qui avait la faculté de passer à travers les murs. Voilà. Et là, le déclic se fait et on passe dans le fantastique. Dans les contes du chat, c'est pareil. On part d'un problème réel, d'une question réelle, et puis d'un seul coup, les animaux se mettent à parler, les petites se mettent également à raisonner et à bâtir un monde imaginaire, fantastique. Les mots n'ont pas de cloison, hein, et je crois qu'il y a une interpénétration entre les notions. Mais c'est quand même c'est une façon quand même très, comment dire, très, je dirais pas très française, mais de manier la langue, en tout cas, avec oui. ce goût, cette saveur, on en a plein la bouche. Enfin, c'est un goût extraordinaire. D'ailleurs, les enfants qui le lisent maintenant, avant que leur maîtresse d'école leur ait donné à lire, se régalent absolument. Et puis, il y a toute une critique aussi, je dirais, peut-être par derrière, de la vie de l'époque. Moi, je relisais les boîtes de peinture, là, dans une très belle édition illustrée par les Sabatiers, Roland et Claudine Sabatier, les boîtes de peinture, donc offertes par l'oncle Alfred. Et les petites font le portrait des animaux. Et puis, elles ratent un petit peu. Vinrent à passer les deux bœufs de la maison qui traversaient le pré pour aller boire à la rivière. C'étaient deux grands bœufs tout blancs, sans une tache. « Bonjour les petites, qu'est-ce que vous faites avec ces boîtes ?» On leur expliqua ce qu'était de peindre et ils demandèrent qu'on voulût bien faire leur portrait. Mais instruite par l'aventure de la sauterelle, Delphine secoua la tête. « Ce n'est pas possible, vous êtes blancs. » Donc de la même couleur que le papier, on ne vous verrait pas. Blanc sur blanc, c'est comme si vous n'existiez pas. Les bœufs se regardèrent et l'un d'eux prononça d'une voix pincée « Puisque nous n'existons pas, au revoir !» Et on croit voir le carré blanc sur fond blanc de Malevitch. Mais là, les enfants le découvriront plus tard quand ils iront au musée d'art moderne. Entre les deux, ils auront peut-être appris à connaître autre chose. Vous avez d'autant plus raison que Marcel Aimé était très proche de la peinture, très proche des peintres. Il a écrit beaucoup de préfaces pour des amis peintres à Montmartre et ailleurs, d'ailleurs. Oui, parce qu'après la campagne, bien sûr, il est venu à Paris. Mmh. Alors, je crois que vous aviez une petite lecture aussi à nous faire. Là, vos talents de lecteur vont réjouir les téléspectateurs. Alors, c'est un conte du chat qui s'appelle Le Problème. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine.
assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leur porte-plume et leurs jambes se balançaient sous la table. « Alors, demandèrent les parents, il est fait ce problème ?» Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. « Pas encore, répondit Delphine avec une pauvre voix. Il est difficile. La maîtresse nous avait prévenu. Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. Mais avec vous, c'est toujours la même chose. Pour s'amuser, jamais en retard. Mais pour travailler, plus personne. Et pas plus tête que mes sabots. Il va pourtant falloir que ça change. Regardez-moi ces deux grandes bêtes de 10 ans, ne pas pouvoir faire un problème. Il y a déjà 2 heures qu'on cherche, dit Marinette. Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que le problème soit fait ce soir. Et si jamais il n'est pas fait, s'il n'est pas fait, tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. Les parents étaient si en colère à l'idée que le problème pourrait n'être pas fait le soir qu'ils s'avancèrent de 3 pas à l'intérieur de la cuisine. Se trouvant ainsi derrière le dos des petites, ils tendirent le cou par-dessus leur tête et tout d'abord restèrent muets d'indignation. Delphine et Marinette avaient dessiné l'une un pantin qui tenait toute une page de son cahier de brouillon, l'autre une maison avec une cheminée qui fumait, une mare où nageait un canard et une très longue route au bout de laquelle le facteur arrivait à bicyclette. Recroquevillées sur leurs chaises, les petites n'en menaient pas large. Les parents se mirent à crier, disant que c'était incroyable et qu'ils n'avaient pas mérité d'avoir des filles pareilles. Et ils arpentaient la cuisine en levant les bras et s'arrêtaient de temps en temps pour taper du pied sur le carreau. Ils faisaient tant de bruit que le chien, couché sous la table au pied des petites, finit par se lever et vint se planter devant eux. C'était un berger briard qui les aimait beaucoup, mais qui aimait encore bien plus Delphine et Marinette. « Voyons, parents, vous n'êtes pas raisonnables, dit-il. Ce n'est pas de crier ni de taper du pied qui va nous avancer dans le problème. Et d'abord, à quoi bon rester ici à faire des problèmes quand il fait si beau dehors ? Les pauvres petites seraient bien mieux à jouer. » « C'est ça, et plus tard, quand elles auront 20 ans, qu'elles seront mariées, elles seront si bêtes que leurs maris se moqueront d'elles. Elles apprendront à leur mari à jouer à la balle et à saute-mouton, n'est-ce pas, petite ?»« Oui, dirent les petites. Silence, vous !» crièrent les parents. « Et au travail, vous devriez avoir honte. Deux grandes sottes qui ne peuvent même pas faire un problème. »« Vous faites trop de soucis, dit le chien, si elles ne peuvent pas faire leur problème. »« Eh bien, que voulez-vous, elles ne peuvent pas. » « Le mieux est d'en prendre son parti, c'est ce que je fais. Au lieu de perdre leur temps à des gribouillages, mais en voilà assez. On n'a pas de compte à rendre aux chiens. Allons-nous-en. Et vous, tâchez de ne pas vous amuser. Si ce problème n'est pas fait ce soir, tant pis pour vous. » Tant pis pour ces demoiselles, mais tant mieux pour nous, puisque l'histoire va se continuer d'une manière très drôle, et les animaux vont y prendre une énorme part, puisque chacun va aller aider les petites à dénombrer les arbres d'une forêt bien réelle, alors que celle du problème est totalement théorique. – C'est ça, puisque le problème en question, c'est les bois de la commune ont une étendue de 16 hectares, sachant qu'un ar est planté de 3 chênes, de 2 hêtres et d'un bouleau, combien les bois de la commune contiennent-ils d'arbres de chaque espèce ?– Voilà, un bon problème de certificat d'études. Je voulais parler, avant de nous quitter, des illustrateurs. Donc, le premier qui est Nathan Altman, on a maintenant peu de rééditions de son œuvre. Par contre, les ouvrages de Nathalie Parrin sont plus facilement disponibles, donc ce livre dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'ai aussi Les autres contes du chat perché, donc un très joli volume un peu ancien, mais qui est tout à fait lisible aujourd'hui, notamment si on veut les lire au coin du feu et à la lueur de la bougie. Comment se sont-ils rencontrés, Marcel Aimé et Nathalie Parrin ? Tout simplement que Nathan Altman avait quitté la France dans les années 35, pour retourner en URSS, d'où il venait, et que Brice Parrin, qui était un collaborateur de Gaston Gallimard, un philosophe, qui travaillait donc chez Gallimard, a proposé les talents de son épouse pour illustrer les contes de Marcel Aimé. Et il s'est passé entre Marcel Aimé et Nathalie Parrin une sorte de symbiose, puisque au début, Marcel Aimé a vu ses dessins après avoir écrit ses contes, et il a trouvé que c'était merveilleux, c'était plein de délicatesse, de naïveté, de gentillesse. Et au fur et à mesure où le temps a passé,
Eh bien, Marcel Aimé a créé, a écrit ses contes en pensant au dessin que Nathalie allait en faire. Très bien, et donc ensuite les Sabatier ont pris le relais. Alors, oui. Si nous voulons passer à une classe d'âge un peu supérieure, cela dit, on peut toujours lire les contes du Chat-Perché à tous les âges, c'est d'ailleurs ce que souhaitait un petit peu Marcel Aimé, de 4 à 75 ans, un peu comme Tintin, même plus grand. Les adolescents, eux, peuvent lire notamment Les Bottes de Sept Lieues et autres nouvelles, alors je ne sais pas si on va le voir comme ça, qui sont des nouvelles peut-être un peu plus amères, mais qui se passent, elles, à Paris, donc autour de la butte. Donc promenez-vous d'abord sur la butte Montmartre, allez voir cette magnifique statue du Passe-Muraille, enfin où Marcel Aimé sort du mur, littéralement, et puis ces Bottes de Sept Lieues vous replongent dans un univers aussi absolument magique de la vie à Paris, des collégiens, là peut-être un peu plus daté, mais pas si daté finalement. Non, pas tant. Pas non, tant. Non. Très bien, mais écoutez, je crois que nous allons nous quitter alors que nous serions volontiers restés plus longtemps en compagnie de Marcel Aimé. Je vous remercie beaucoup et je rappelle donc que vous sortez très bientôt chez Pardès une biographie de Marcel Aimé dans la collection Qui suis-je ? Et que vous continuez toujours vos recherches passionnées sur ce grand auteur de notre littérature. Merci beaucoup, Michel Lécureur. Merci.